détruisez la tour. Permettez-moi, je pourrais m'en charger. C'est vous qui décidez. Un piège, droit devant. En avant! Deuxième jour. Le sujet ne répond pas aux stimuli. Test du seuil de douleur non concluant. Plus que trois sujets. 82e jour. Si seulement je pouvais reproduire le succès extraordinaire de la nuit dernière. L'électricité n'est qu'un catalyseur, la clé et le sang. 97e jour. Énergie et sang.
Des applications répétées ont dupliqué les résultats. Conjecture, transposition alchimique possible du procédé. Mais il ne me reste plus de sujet. Si seulement j'en avais, ne serait-ce qu'une poignée. Je m'exécute. Très bien. Je m'attendais bien à quelques visites. Entrez donc, entrez. Voilà bien longtemps, voyez-vous, que je n'ai pu ainsi mobiliser mes pensées. Mais la déchirure du voile a été réparée. À peine. Il ne me reste que peu de temps. Prenez garde. Cet homme s'est livré à des pratiques que proscrit le Créateur. Ne vous fiez pas à son air frêle. Et c'est du Créateur que vous tenez cela, je présume. Non. Mes recherches ont été proscrites par des hommes bornés. Non pas par un dieu. Assez. Que faites-vous ici? Quel est le motif de votre venue? Et à quelle question? Je suis tout oui. La chanterie a la sottise de proscrire la magie du sang, alors qu'elle renferme encore d'innombrables secrets. Tandis que mon corps subissait les ravages du temps, j'ai trouvé un moyen de les atténuer, mais non de m'y soustraire. À quoi bon? Le tyran Arland est mort de longue date, ainsi que tous nos nobles camarades et notre belle rébellion. La dépouille de Sophia a beau être encore animée, son âme nous a, elle aussi, quittés. Qu'il régnait dans la terreur et le poison, que sa perfidie a poussé les nobles à s'entretuer. Nous le prenions pour un monstre. La rébellion semblait être notre seule issue. Mais il faut croire que le poids des ans a tempéré notre défaite. Nous pensions le royaume condamné, mais il a survécu. Ils étaient trop à faire taire. Même la sorcellerie a ses limites. Nous nous sommes donc alliés au Tiern Kusland. Avec son appui, la victoire était à notre portée. Au lieu de cela, nous sommes tombés dans une embuscade tendue par la garde royale. Le commandeur Dryden et moi-même avons bien failli y rester. Tiens donc. Alors, bien des vôtres sont tombés ce jour-là. J'ai vu la tête du Tiern sur la table des négociations, une pomme fourrée dans la bouche. J'imagine que les bouchers d'Arland ont massacré suffisamment de Kusland pour faire entendre raison aux autres. Certes, mais c'était notre ultime recours. La survie était à ce prix. Des mois durant, j'ai préparé les cercles incantatoires. Je me suis plongé dans les abîmes de l'immatériel. Ce fut l'heure de gloire de la science arcane. Des démons par dizaines, tous soumis à ma volonté. Mais vu le nombre de variables, il fallait s'attendre à des erreurs de calcul. J'étais à deux doigts de réussir. C'est elle qui en a donné l'ordre. Mais j'aurais invoqué les démons avec ou sans son aval.
Seuls les gardes des ombres sont à même de superviser la recherche magique. À même de redécouvrir les secrets des anciens Tevintid. Mensonge que tout cela, que la chanterie a colporté pour asservir les mages, pour assurer son joug. Et comment savez-vous qu'elle a raison? La foi impose force aveuglément sans guère donner en retour. Mon seul regret est d'avoir échoué, de ne jamais avoir pu châtier Harland. Parole lourde de sens, venant d'un garde des ombres, aussi lourde que mon âme. Fort bien, je place mon sort entre vos mains. Quand vous aurez tiré de moi ce que vous êtes venu chercher, j'accepterai votre sentence. Oui ? Maître mage. Depuis plus d'un siècle, le nom de ma famille est rabaissé plus bas que terre. Avez-vous la moindre preuve de l'héroïsme dont Sophia a fait montre ? L'enfant qui a bravé les brumes. Ainsi donc, tu as répondu à mon appel. Et tu es un Dryden. Ma foi, le cosmos a le sens de l'humour. Ce n'était qu'un enfant quand il s'est aventuré dans les tunnels qui courent sous le pic. Le cœur pur et résolu. Par le biais des rêves, je lui ai donné les clés dont il avait besoin. C'était ma planche de salut. Ton arrière-arrière-grand-mère était la meilleure d'entre nous. Brave, charismatique, enflammée, dévouée corps et âme au combat. Malgré tout, nous avons été défaits. C'était un tyran que nous affrontions, comprends-tu? Ah, comme nous étions hardis à l'époque. Sourds aux conséquences, mais des preuves, il n'en existe aucune. J'avais de l'espoir, mais... Merci, garde des ombres. Pour endiguer le flot démoniaque, rectifier les erreurs du passé. La magie du sang est d'origine démoniaque. Tous les sorts dont je dispose, ils peuvent les contrer. Mais la souillure des engeances... Voilà un pouvoir s'il en est. Un pouvoir étranger à leur emprise. Les gardes des ombres ne s'en servent guère que pour localiser les engeances. Or, mes recherches indiquent des perspectives vertigineuses. Non seulement ce savoir pourrait sauver le pic du soldat, mais les gardes des ombres pourraient aussi consolider leur pouvoir. C'était une absolue nécessité. Les quelques minces années qu'ils auraient passées, piégés dans cette tour, n'étaient rien face à l'enjeu collectif. J'ai donné un sens à leur mort. Vous avez déjà lu mes recherches. Mais avec le temps et les ressources appropriées, je pourrais en apprendre bien plus encore. J'ai fait tout mon possible. Mais je place mon sort entre vos mains. Quand vous aurez tiré de moi ce que vous êtes venu chercher, j'accepterai votre sentence. Oui ? J'en conviens. Vous n'avez plus rien à faire ici. Maintenant que le voile est réparé, j'aimerais continuer mes expériences en paix. Peut-être puis-je contribuer une dernière fois au savoir de notre ordre, avant que l'âge ne m'emporte. Sans cobaye? Sans autre ressource? Vous me liez les mains. Mais soit, je vais faire mon possible. Je doute de pouvoir me rendre utile dans ces conditions. Mais si c'est le cas, je vous en avertirai.
Mes recherches progressent lentement, la théorie est aussi complexe que les faits sont rares. Comme il vous sied.